Ce n'est pas l'auteur qui fait peur à ses convives. Une petite photo s'impose dans ce restaurant particulier. Ici, on mange les pieds dans le vide et face au chef, le Bruxellois David Martin. Je pense qu'il faut voir ça comme une expérience vraiment intéressante à faire, je pense, une fois dans sa vie. Au lieu de rencontrer le chef chez lui, là, on le rencontre en dehors de chez lui, avec une vue magnifique, dans des circonstances particulières. Si vous regardez en bas, vous n'avez pas trop le vertige ? Oui, j'avoue que je regarde plus devant moi qu'en dessous. Dans l'assiette, le chef adapte ses produits avec la hauteur. Mais il y a des imprévus, comme le vent, qui s'invite parfois à table. Pourquoi est-ce qu'il faudrait descendre ici ? Parce qu'en fait, on a pas mal de vent et que sa préparation ici est avec un râpé d'un fromage assez léger. Et donc, si jamais il y a trop de vent, tout ça va s'envoler. Et donc, on descend un petit peu pour avoir moins de vent et puis on remontera au moment du service. Les difficultés, forcément, c'est la température. Et puis c'est le vent, bien sûr, enfin les éléments extérieurs, que ce soit de temps en temps la pluie, mais ça c'est rare, je dois dire, on a beaucoup de chance. Mais c'est bien aussi parce que c'est le challenge, donc on doit construire le menu de façon à se retrouver sur la nacelle, à avoir quand même à cuisiner devant les clients, parce que c'est pas un traiteur, c'est vraiment un show, vous l'avez vu, c'est non-stop. Hein. Et profiter d'une telle expérience à un prix 285 €. On a passé un super bon moment, on a super bien mangé, la vue est exceptionnelle. Vous n'avez pas trop eu peur quand il y a eu un peu de vent ? Au début un petit peu, mais après ça a été... J'avais déjà fait il y a quelques années, mais ici je trouve que c'est limite encore plus impressionnant. Il y a vraiment une vue sur toute la ville et le bâtiment, enfin la basilique, c'est vraiment dingue. Dinner in the Sky est à Bruxelles jusqu'au 24 juin. Seul conseil pour y participer, ne pas avoir le vertige. Bon.